Yo, Koso Minasan. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire la petite FAQ. J'ai reçu quelques questions, un peu plus une vingtaine, trentaine. Je vais y répondre comme ça. Je les ai pas toutes lues, donc tant que je cherche, j'ai vu que c'était des questions pour des FAQ. Donc on va commencer une fois que j'aurai lavé mes lunettes. Voilà, c'est parti. Alors, première question. Bon, je les ai classées les premières pour que ça ait un ordre un peu chronologique. Alors, comment je m'appelle? Massimo, pas Usopp, malheureusement. Question numéro 2. Quelles sont les choses sans lesquelles tu ne pourrais pas sortir de ta maison? Mon téléphone portable et mon porte-monnaie. On sait jamais, si t'en as besoin, t'es pas dans la mienne. Où habites-tu? En Suisse, à Genève. Quelles sont tes origines? God. Non, je suis suisse-italien. Souhaites-tu te marier un jour? Bah, j'espère, oui. Avec bois. Putain, bois. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Non, mais par contre, si on me met en colère. Tu vois Barbe Blanche? Bah, c'est à peu près ça quand il s'énerve. Vaut mieux pas être là. Ensuite, as-tu une phobie? J'ai pas de phobie, c'est plutôt. J'aime pas tout ce qui est araignée, je trouve plutôt c'est dégoûtant, mais j'ai pas. Si elle est là, je cours pas. Je me prends que j'aime pas trop tout ce qui est araignée. Insectes aussi, ça c'est dégueulasse. C'est plus dégueulasse qu'une phobie. Ça sert à rien déjà. Aimes-tu l'alcool? Pas plus que ça, non, je bois pas trop. Donc, à part s'il y a des anniversaires, une coupe par là. Mais autrement, non. D'ailleurs, on voit pas trop ça boire aussi. Dans One Piece. Ah ben, un truc qui va bien avec. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Soirée entre potes. Se prendre des bons gros fous rires, déconner ensemble, sans hésiter. Là, c'est quoi? C'est une question de musique ou ton style du moment? J'ai pas vraiment de style. La semaine, je suis plutôt en mode décontracté. Parce que je vais au sport, donc tu vois, être bien habillé. Mais le week-end, j'aime bien m'habiller pour être un peu classe. Si tu sors, tu vas en ville, tout simplement. Puis quand j'ai des clients en shooting, je m'habille plus correctement. Quel est ton style de musique? Là, j'écoute beaucoup un peu tout ce qui est un peu rap américain, mais fait par un peu des amateurs sur SoundCloud, découvrir des trucs, ça j'aime bien. Autrement, j'écoute de tout. Hein, mais si tu devrais prendre, c'est qui Alice? Si tu devrais prendre une résolution, ça serait laquelle? Me prendre par les coronets et faire mon projet qui me tient à cœur, qu'il faut que je me lance dedans, quitte à que ça marche pas, mais essayer au moins. The rule number three, don't be afraid to fail. Prendre le temps d'y faire. Quelle est ta taille? 1m80, 80, tout. As-tu des animaux de compagnie? J'avais un chien qui est mort l'année passée. J'ai eu des lapins, des chats, des oiseaux quand j'étais tout petit. Un aquarium, c'est un peu une ferme. C'était, tu vois, un peu l'île où il était Usopp pendant les 2 ans. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Deux. Minimum, ouais, deux. Un garçon, une fille. D'abord le garçon, et après la fille, comme ça le grand frère protège la petite sœur. Ouais, deux, ce serait pas mal. Après, ce serait bien de faire le combo, c'est des faux jumeaux, comme ça c'est fait, et puis t'as plus besoin de faire. As-tu des regrets? Ouais, pas avoir découvert One Piece plus tôt. Vraiment, quand j'étais tout gamin, ça aurait été. Putain, ça aurait été génial, je crois. Mais autrement, vrai regret. Ouais, m'être pas déclaré à une certaine fille il y a longtemps. Ton principal trait de caractère. La confiance. Si tu me confies quelque chose, tu me dis de pas dire. Enfin, je suis. Tu peux venir me parler et puis ça reste entre nous. Je préfère aussi. Qui t'énerve le plus? Les gens qui critiquent One Piece mais qui ne regardent pas. Alors ça. Les gens qui critiquent mais qui ne connaissent pas, ça m'énerve.
Ah, une odeur que j'aime aussi. Audrey. Une odeur que j'aime. Une odeur que j'aime bien sentir, c'est le café, mais je déteste, je ne supporte pas de le boire. J'aime bien l'odeur. Un bon café, l'odeur du café, ça j'aime bien, mais le boire, non, impossible. No way. No way. Ouais, autrement. Une odeur que. Un aliment que tu détestes. Je ne sais pas si on peut considérer la coriandre comme un aliment, mais si on pourrait éradiquer de la planète la coriandre, je vote pour. Je déteste la coriandre. Quel est ton plat préféré? La pizza, franchement, j'adore ça. Si je pourrais en manger, je pourrais en manger tous les jours sur la pizza. Quel pays rêves-tu de visiter? Bon, en fait, ceux que je voulais visiter, je les ai déjà visités. Si, peut-être la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Australie. Et l'Afrique du Sud. Quel est ton film préféré? C'est Le Seigneur des Anneaux, c'est pas vraiment un film, mais ça. Quel est le dernier achat que tu as fait? Là, actuellement, c'est la petite caméra, là. Quels sont tes loisirs? Le fitness, la photo, et faire des vidéos. Et la dernière question que j'avais vue, j'ai gardé pour la fin. Où te vois-tu dans 5 ans? Je sais pas, je serai peut-être de nouveau au Japon, aux États-Unis, ou ici. I don't know. L'avenir nous le dira. J'espère qu'il sera bien. Ou dans 5 ans, je serai peut-être avec 5 millions d'abonnés. Hein? Non, franchement, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir monté ma petite communauté sur YouTube. Pouvoir vous faire découvrir des choses que ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'y aller sur n'importe où. Hein. Pour dans 2 ans, il faut que j'arrive à avoir au moins minimum 80 000 abos. Tu vois, parce que Usopp, il voulait 8 000 soldats. Moi, je suis x10 parce que je suis en God. Donc il faut que j'y arrive. Et là c'est pour ça que je vais bourriner une vidéo qui peut vous intéresser. Essayer de faire un maximum de conventions avec Old Blue Channel. Se sortir les doigts du cul, hein, comme on dit. Hein. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, YouTube. Pouvoir partager des moments, des émotions aussi avec les gens qui te suivent. Et ouais, dans mes 5 ans, j'aimerais bien aussi me lancer dans le mannequinat. Donc j'ai plein de projets à. Et si j'arrive à avoir cette une petite notoriété sur YouTube avec pas mal d'abonnés, essayer de tout faire pour rencontrer Oda. Ça, ce serait un putain de rêve, ça. Oh, le kiff total, je crois, pour tous les fans de One Piece. Donc, on va se quitter là-dessus sur ces belles paroles. Hein. Je pense qu'elles sont pas mal. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la petite vidéo. Et je vous mets tout en description, les liens de ma chaîne, de mes chaînes. Aujourd'hui sort le petit scan, donc il y aura la live réaction. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager, à transmettre par fax, par pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, Janna!